Ouais, Content de te tellement. voir, Leslie, évidemment. On est de retour avec, dans les faits, t'es la première invitée que je fais venir pour la saison 2 du podcast Les Machines. Podcast qui a été lancé par mon frère Maxime à l'époque et on a laissé aller avec la pandémie parce que c'était devenu trop occupé. Ça fait un bout de temps que j'ai le projet de le relancer puis que je veux avoir une discussion avec des joueurs influents de l'immobilier un peu partout au Québec. Puis, tu as été mon premier choix. Pourquoi? Parce que il y a des gens comme toi qui gagnent à être connus en immobilier que je trouve qu'on ne voit pas assez nécessairement au quotidien. Je trouve que tu travailles des fois un peu dans l'ombre, dans le sens que tu es une équipe qui fonctionne, qui a du succès, mais j'ai toujours dit que les gens gagnaient beaucoup à te connaître. Alors, content de t'avoir avec moi sur cette première entrevue-là. On veut vraiment que ce soit un format conversationnel, que les gens puissent évidemment profiter aussi d'en connaître davantage sur le marché de Sherbrooke, parce que c'est un marché que moi, je connais pas beaucoup, puis je trouve ça super intéressant. Toutes les fois que je vais à quelque part, moi, je sais pas si t'es comme moi, Leslie, là, n'importe où je vais, je me dis, oh, je sais pas comment ça coûte une maison qui a de l'allure à X budget, parce que souvent, on va se fier au prix médian des maisons de nos secteurs. Donc, Leslie, écoute, maman de deux enfants, maman de deux enfants monoparentales, Oui. puis ça me fascine toujours parce que l'immobilier est tellement exigeant, alors chapeau pour ça, tout de suite, mais parle-moi de toi un petit peu. Qui t'es, d'où tu viens? Tu es une Vietnamienne d'origine qui exerce la profession de courtier immobilier à Sherbrooke. Parle-moi de la genèse de tout ça, comment ça s'est. T'en es venu à être courtier immobilier dans les faits? Ben, en fait, c'est ce que je me décris présentement, le mot, ça serait stressé. Je suis vraiment stressée, même si tu me dis que c'est une conversation. Ben oui, comme tu as dit, je suis maman de deux enfants. Je suis issue un peu plus du domaine des communications. Moi, j'ai fait mes études en communication à Jonquière. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'école de communication à Jonquière, là, le CEU Absolument. de Jonquière. Donc, j'ai fait mon parcours là-dedans. Par la suite, l'événementiel et... C'est lorsque j'étais en congé de maternité de mon deuxième que je me suis un peu lancée dans l'immobilier. En fait, c'est ma séparation qui m'a menée à l'immobilier. Mes enfants avaient, du jour au lendemain, vraiment du jour au lendemain, je suis tombée monoparentale, où est-ce que j'avais des enfants de 1 an et 3 ans. Mon conjoint, à ce moment-là, on s'est chicané autour d'un meuble IKEA, puis ça l'a explosé. Puis, ça a pris même pas un après-midi que toutes les choses avaient quitté la maison. Ah oui, Tout. ok. Fait que ça a été vraiment un choc pour moi. Ce qui a fait en sorte que, ben, son emploi lui permettait pas d'avoir les enfants à ce moment-là. Fait que j'ai pris la garde temporaire. Puis, je me rappelle, j'ai tellement pleuré, là, dans cette période-là, là, parce que je savais plus où je m'en allais. Tu sais, j'étais en congé de maternité. Je savais pas si je retournais dans l'événementiel après ça. Que je faisais. Puis, tu sais, une séparation quand les enfants sont si jeunes, ils ne comprennent pas. Nous, on ne comprend pas. On essaie d'être fort. On ne veut pas pleurer devant eux. Ça a été des nuits à consoler un enfant qui ne voulait pas dormir parce qu'il ne comprenait pas. Puis moi-même, je ne comprenais pas. Puis j'ai comme eu un élément déclencheur à un moment donné où est-ce que je dis, il faut que je sorte de là, de ce cercle-là. Je suis partie en voyage avec les enfants seule. Je me dis, si je suis capable de prendre l'avion avec deux enfants en bas de, tu sais, 1 an et 3 ans seul, tu sais, il n'y a plus rien qui m'arrête. Je dois changer d'univers, faire quelque chose. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le cégep, j'ai appelé l'université. Il était au mois de décembre. Je dis, où est-ce que vous avez de la place en janvier? Je me disais, peu importe ce qui arrive, je m'inscris dans le programme qui a de la place. Puis le seul programme qui avait de la place, c'était en courtage immobilier. Ah Fait que, oui. je suis comme vraiment une dans le milieu où est-ce que je n'étais pas prédestinée à être courtier. Puis je voyais les gens dans mon cours de courtage comme moi, j'ai toujours voulu être courtier. Mon père, il fait ça. Mon père est dans la construction. J'ai un entourage de ça. Puis moi, c'était juste, pourquoi tu es là? Parce que c'est le seul cours qui voulait de moi présentement, puis qu'il y avait de la place, puis il fallait juste que je me change les idées. C'est Fait pour que. dire que la vie fait bien les choses quand même. Tu t'es retourné dans, tu t'es retrouvé dans un domaine que tu n'étais pas prédestiné à faire. Il y a une question qui me vient en tête, là, qui est importante pour moi. Tran, vietnamien, comment Leslie Tran, vietnamienne, arrive à Sherbrooke? C'était quoi t'es-tu née au Québec? Je suis née à Sherbrooke. Mes deux parents, bien, ils ont immigré pendant la guerre du Vietnam.
ma mère avec sa famille, puis mon père est un bold people. Je te dirais que ça parle pas beaucoup de cet événement-là dans la famille. Ils sont très réservés. Justement, en février, je m'en vais découvrir le Vietnam. Ben, je suis déjà allée, mais avec eux. C'est la première fois qu'ils retournent dans leur pays. Fait que ça va être très, très, très émotif. Et de vivre avec mes propres enfants aussi. Fait que, on va voir, mais peut-être je vais en apprendre plus sur ma culture à travers leurs yeux parce qu'ils ne sont jamais retournés là. Ils ne sont Fait que jamais mes parents, retournés. non. Puis mes parents se sont rendus à Ta mère, est-ce l'adolescence. qu'elle a un restaurant à Sherbrooke? J'ai cru, je sais pas, mais j'ai cru voir que ta mère avait un restaurant à Sherbrooke ou non? Oui, mes parents ont un restaurant OK. depuis une quarantaine d'années déjà. Ça va super bien. Fait que pour moi, c'est super impressionnant parce qu'ils ont eu 6 enfants. On n'a manqué de rien. Puis ils ont eu leur business. Il y a une époque, ils ont eu 2 restaurants. Fait que ça a été. C'est assez impressionnant de les voir aller, tu sais. On dit dans le monde des affaires qu'il y a un livre qui s'appelle The Immigrant Edge, qui parle des gens qui viennent de pays évidemment externes où ils habitent, puis qui ont dû affronter l'adversité pour avoir du succès. Puis la leçon de tout ça est vraiment souvent, dans le fond, c'est que ces gens-là ont un avantage compétitif parce qu'ils veulent tellement, travaillent tellement fort qu'ils en viennent avoir cet avantage compétitif-là sur. Peu importe le Canadien ou le Québécois de souche ou l'Américain de souche qui a peut-être été élevé différemment. Fait que je trouve ça le fun de. Souvent, on dit que ça va sculpter ta personnalité, mais d'avoir vécu cette adversité-là parce que tu n'as sûrement pas grandi dans une grande richesse non plus, là. Ben, on a vraiment manqué de rien. Tu sais, les 6 enfants, ma mère, tu sais, maintenant que je suis mère, je le vois, là, ce que ça a pu impliquer comme sacrifice, là. Mais on a été les 6 au privé. Donc, c'est, non, ça, j'ai pas eu connaissance de manquer quoi que ce soit, jamais. On peut faire les activités qu'on voulait, mais aujourd'hui, je le vois qu'ils ont sûrement dû serrer la ceinture pour nous offrir tout ça, là. Excuse-moi, je suis en train de poster je vais poster sur mes réseaux pour pouvoir inviter les gens à intervenir parce qu'il y a plein de choses intéressantes qu'on va aborder. Fait que je vais juste poster maintenant, Leslie, si tu me permets. Mais Comme oui. ça. Deux petites secondes. On y arrive tout le monde, on a plein de sujets à couvrir. All right. Cool. Revenons à. Ça m'intéresse parce que tu as parlé tantôt, tu as dit, tu as vécu un événement traumatisant, que tu as une séparation qui était du jour au lendemain. Là, je suis curieux de savoir comment cet événement-là te permet aujourd'hui d'être une meilleure courtier. Ben, Parce que tu en rencontres des séparations dans le courtage immobilier. Quand tu arrives à la table, c'est une séparation. Comment tu vois ça? ben, surtout, je te dirais que je connecte beaucoup avec les mères monoparentales à cause de cette situation-là. Fait que c'est sûr que dans la séparation, j'ai un œil différent. Tu sais, je suis en équipe, je le vois. Martin qui n'a pas vécu de séparation avec enfant, qui n'a pas la même empathie, la même écoute. Je suis beaucoup dans le « je vais respecter ton rythme ». Tu sais, veux pas, il y a beaucoup le « je comprends ». Puis, tu sais, on a beau dire qu'on comprend quand on l'a pas vécu, on sait pas, tu sais. Fait que c'est sûr que mon discours est très, très différent. Puis, je sais pas toi, mais là, c'est toi, ça fait des années que t'es en immobilier. Là, moi, j'entends ma 4e, 5e année bientôt. Puis, je pense qu'on attire ce qu'on dégage. Puis, tu sais, Martin puis moi, on n'attire pas la même clientèle. Moi, c'est beaucoup, justement, les séparations, les successions. Puis, ça me tombe dessus. Tu sais, je vais pas, je traîne pas dans les salons funéraires pour avoir des successions, là, tu sais. C'est comme, on dirait que je me fais approcher par ce genre de transactions-là, tout comme les séparations, tout ce qui est comme très chargé émotivement. Ça me tombe dessus, là. Parlons-en de ça. Salut, il y a Chanel qui est là, il y a Ah, Chanel! Catherine qui est là.
Écoute, je suis content de voir la gang. Écoute, puis le courtage immobilier, puis je le dis tout le temps à Leslie, on peut pas faire le business puis parler à tout le monde qu'un pou dans la vie, tu sais. Puis tu touches un point, dis-moi, ça me tombe dessus. Je pense que ça revient à l'essence de se dire en tant que courtier immobilier, c'est vraiment important de réfléchir souvent, c'est qui les 2, 3, 4, 5, 10 derniers clients avec qui je me dis, c'est des clients avec qui je travaillerai à temps plein, ça serait juste ce genre de client-là. Puis le fait de le savoir exactement à qui tu t'adresses, justement, quand tu fais des publicités, quand tu fais des lives, quand tu fais des posts sur les médias sociaux, va te permettre d'attirer cette clientèle-là, évidemment. Fait que c'est le fun que tu commences à cibler. Déjà, tu dis, ben moi, je pense que j'attire certains dossiers, certains types de clientèle parce que vraiment que tu as la compétence de le faire. Ah oui, il y a Caféine, c'est Nancy, c'est mon adjointe qui est là ici, s'il vous plaît. Oh. Cool. On avance maintenant. Ton cours de courtage immobilier, tu reçois ton permis. Jour 1, qu'est-ce qui se passe? Le quand j'ai activé mon permis, j'étais, ben tu sais, j'avais déjà deux listings. Moi, mon permis a été activé, puis il restait juste comme presque à poser ma signature, puis j'allais poser ma pancarte. Ah oui, OK. Deux listings déjà de j'avais un co-listing d'un courtier qui était sur le bord de la retraite qui voulait de la relève. C'était un ami à moi qui nous a présenté. Puis j'avais peur, il me dit là, j'ai deux listings qui sortent. Je dis oui, moi j'active sûrement la semaine prochaine. Fait qu'il a dit OK, parfait, je vais aller faire les contrats. Dès que tu as ton permis, on signera. Fait que ça a déboulé rapidement. Ça a été effet boule de neige. Fait que tu sais, je sens vraiment que j'ai le syndrome de l'imposteur parce que je n'étais pas prédestinée à être courtier quand il y a des gens. Tu sais, si t'appelles chez Royal Lepage Évolution, où est-ce que je travaille, puis tu veux suivre une courtière, je vais être la première. Je suis la seule, en fait, qui se propose que tu peux me suivre. Il y a tellement de gens qui ont fait des stages d'observation avec moi dans les dernières années. Puis à chaque fois, je les entends dire, hey, moi, depuis que je suis toute petite, je mets des talons hauts, je veux devenir courtière. Je veux que... Parce que moi, c'est pas ça que je voulais faire. Puis mes mandats me sont tombés dessus. Mais j'aime pas ça dire tomber dessus parce que j'ai travaillé cette relation-là d'année en année que a fait en sorte qu'il m'a présenté son beau-père qui cherchait quelqu'un, tu sais. Oui. Puis, tu sais, ça me fascine parce que les femmes en immobilier, je le dis toujours, puis, tu sais, j'ai choisi une femme particulièrement pour cette première émission-là parce que, crème, vous avez des enfants, il y a des enjeux différents, vous êtes comme souvent le pilier de la famille, puis, tu es obligé d'avoir un job où tu n'as pas d'horaire. Tu es tout le temps, tu es pratiquement toujours dispo, tu es tout le temps on. Fait que c'est sûr que c'est très particulier comme travail, mais c'est tout qu'un défi pour les femmes. Fait que, chapeau pour ça. Maintenant, bon, c'était une progression. À partir de là, tu as monté une équipe qui est composée de combien de personnes maintenant? On est présentement quatre et quatre courtiers, deux adjointes. OK, super. Et tu penses que cette équipe-là, tu as été fondée au départ uniquement avec Martin, ton partenaire, qui est Savard Tran. Martin Savard, OK. Ben Martin, je l'ai rencontré à l'école, sur les bancs de l'école. Ah oui, OK. Ouais. Puis tu sais, je lui avais dit, moi, Martin, avec ma condition de mère monoparentale à temps plein, impossible que je me lance solo. Pour moi, c'est inconcevable. Puis mon dirigeant d'agence à ce moment-là, que tu connais bien, Jean-François Bérubé. Très direct, c'est correct. Je crois il voulait bien faire. Il a dit, juste vous dire, deux nouveaux courtiers qui partent en équipe ensemble, vous êtes voués à l'échec. C'est sûr que Ah vous êtes oui. un mur, vous devez joindre une équipe déjà. C'est comme, OK, parfait, mais moi, je ne veux pas être en équipe avec personne d'autre que Martin. J'ai confiance en lui. Puis je crois qu'aujourd'hui, on est peut-être l'exception qui confirme la règle parce que ça va super bien, là. Absolument. On salue Jean-François d'abord. Je ne sais pas si tu te souviens d'avoir eu la conversation avec toi. Mais tu sais, Jean-François, je le sais qu'il me le disait avec amour puis qu'il voulait me protéger de faire une erreur, tu sais. Donc, je l'ai pas mal pris du tout, là. Ouais. Cool. Puis, au niveau réalisation, en date d'aujourd'hui, dans les faits, je ne me souviens pas, vous avez atteint certains niveaux maintenant en termes de performance chez Royal Lepage. Vous êtes maintenant à quel niveau? Vous êtes diamant? On est à 5% présentement. Ah, donc, vous êtes dans 5% des courtiers les plus performants au Canada actuellement chez Royal Lepage. Au Oui, Québec. au Québec. Oui. Oui. Vous avez fait beaucoup parce que on le sait, c'est très, très dur l'immobilier. Ça demande une volonté de faire pour pouvoir vraiment performer. Fait que tu arrives à un stade où deux nouveaux arrivent dans le premier 5% dans la province après très, très peu de temps. Après, à notre deuxième année, on l'avait atteint.
Tu attribues ça à quoi? Notre personnalité. Ouais, c'est vrai que vous êtes attachant. Pas pire, hein? Mais oui, je pense que oui. Quand on va en évaluation, notre taux de closing est à 98 %. Sinon, ça joue sur des questions sur le pourcentage, des choses comme ça. Mais sinon, tu as Martin qui, tu sais, il est très bâtiment, tout. Puis moi, ça va être après ça le côté plus négociation. Fait qu'on se complète super bien. Les deux, on a une belle écoute active. Fait que, ouais, je te dirais notre personnalité qui a fait que. Et je le dis, là, Leslie, pour t'avoir, parce qu'on fait du mastermind ensemble, Leslie et moi, puis pour écouter parfois ses appels de prospection lorsqu'elle appelle des gens pour solliciter des mandats, parce que c'est un travail qui est tough à faire, c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Leslie est extrêmement bonne dans ça, principalement parce que tu es très à l'écoute, tu écoutes les gens, tu poses des questions, mais tu écoutes les réponses aussi, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est Fait que gentil. ça, c'est cool. Et j'ai un bon coach, ça a de l'air. Maintenant, moi, je suis curieux parce que toutes les fois, je me promène dans différents secteurs. Moi, je vis à Montréal, puis j'ai une maison dans le canton de l'Est. Mais quand je vais à Sherbrooke, j'ai tout le temps de la réflexion. Je me dis, oh, je suis curieux de connaître les marchés immobiliers. Je ne connais rien du marché immobilier de Sherbrooke. Donc, parle-moi-en. Moi, je suis dans le fond, ben, on va faire le processus suivant. Famille, deux adultes, deux enfants, un chien. Je veux m'installer à Sherbrooke. En tant que courtier, tu me proposes quoi? C'est sûr qu'on a deux secteurs distincts à Sherbrooke, qu'on appelle soit Rock Forest ou Fleurimont. Rock Forest est un peu plus élevé, mais pour une maison, tu sais, je te dirais autour de 400 000, on s'en sort bien, là, une maison à étage. Puis sinon, si on va plus du côté, mais de Fleurimont, qui est un peu moins cher, mais pourtant, on est collé proche de l'hôpital. Fait qu'on pourrait croire que c'est plus des médecins qui sont là, mais on peut s'en tirer autour de 350 000, là, une maison. C'est sûr que, tu sais, ça a tellement fait, ben, t'sais, comme n'importe où, là. Mais avant, moi, quand j'ai commencé il y a 4 ans, là, tu m'apportais une préqualification de 200 000, là. J'avais une mine d'or, là. J'étais comme, Ah oui, hein? ouais. Là, Puis on parle là, avant le COVID. Là. Avant le COVID, à ben, 200 000. oui, j'étais comme, wow, OK, j'ai un bel acheteur, là, Ah 200 000. ouais, Je vais la travailler. c'est un millionnaire à Montréal, à 200 000. Là. T'sais? Puis là, Ah oui, maintenant, hein? je suis comme, OK, on le prend, là. OK. Mais c'est ça. OK. Mais. Donc, tu m'as dit Fleurimont, Rock Forest, deux Oui. secteurs. Est-ce que la délimitation au niveau territorial, c'est quoi exactement? Oui, J'imagine qu'il y a une une autre. frontière sépare les deux. OK. Une frontière qui sépare les deux Parfait. secteurs. Oui. Fait que là, je suis une famille de deux adultes, deux enfants. Je veux m'installer là-bas. J'ai un budget de 400. Je peux trouver quelque chose de vraiment décent à Sherbrooke. C'est quoi mes chances de trouver une maison à 400? J'ai un budget de 400 encore. C'est quoi mes chances? Combien de temps ça va me prendre pour trouver une maison? Combien d'offres je vais devoir faire? Ça va-tu être tough? Ça va-tu être facile? Bien, premièrement, il faut être accompagné des meilleurs courtiers. Hein? Fait que ça Absolument. va jouer beaucoup sur ton taux de réussite. Mais non, c'est quand même, t'sais, comme tu sais, c'est pas juste sur le prix que ça joue. C'est quoi tes conditions? Es-tu flexible par rapport à d'autres aspects? Fait que, t'sais, mais je te dirais que quelqu'un qui m'arrive sérieux, on peut trouver en 2 semaines facilement. Mais ça dépend de chacun. Est-ce que tu es ouvert aux jumelés? Es-tu ouvert aux maisons de ville ou tu veux vraiment une maison à étage avec 20 000 pieds carrés de terrain, tu sais. Ouais. Le prix médian de vente d'une maison unifamiliale dans ces secteurs-là, ça ressemble à quoi? Un médian, une maison moyenne. On est rendu, je pense, à 370 la dernière fois que j'ai regardé. OK. Puis si je veux payer du luxe, là, j'ai vendu ma maison dans une ville comme Montréal, j'ai un peu plus de budget. Pour avoir une très belle maison, là, détachée de quoi qui est dans le haut de gamme de Sherbrooke, on va aller dans. Ça va ressembler à quoi? 600 000, je dirais. OK. Mais encore une fois, ça dépend du secteur, là, tu sais. Ça va être Mais dans quel secteur? 600 000, Rock Forest, Fleurimont, mais c'est parce qu'on a aussi un secteur qui s'appelle le nord de Sherbrooke, que là, tu sais, si tu veux vraiment une belle maison, là, on irait plus dans le 800, 900, mais tu sais, à 600 000, dans les 6 autres secteurs, tu as quand même une belle maison à étage avec piscine creusée, et tu vis bien, là. OK. Et si on va dans du premier acheteur, moi je suis premier acheteur, je vais m'acheter mon premier condo, deux chambres stationnement à Sherbrooke. Dans quel secteur tu m'amènes? Puis c'est quoi mon budget? Je te dirais en bas de 300 000, c'est quand même difficile présentement. OK. Mais je te dirais secteur Mont-Bellevue, qui est proche de l'université, ou encore une fois Fleurimont, tu as plus de choix. Mais encore une fois, si tu es ouvert aux jumelés, on peut t'amener dans Rock Forest. Mais isolé,
C'est plus difficile à ce budget-là, mais ça se fait. OK. Parfait. Fait que c'est vraiment des secteurs qui restent quand même relativement abordables, sauf que ce que je comprends de Sherbrooke, il reste un secteur qui est encore assez, malgré les taux d'intérêt, on sait que les taux d'intérêt ont augmenté, l'inflation a augmenté, ça reste un secteur assez vigoureux actuellement, je pense que ça va bien. Ça va super bien. On a encore beaucoup de, tu sais, c'est pas rare que je vois une promesse d'achat arriver des gens de Montréal qui ont le droit de faire du télétravail. Donc, je crois qu'on continue de, ça n'a pas vraiment baissé de notre côté. Là, on est encore en offre multiple. Là, cette semaine, il y avait 15 offres sur une maison. Hier, j'étais en compétition contre 10. Tu sais, ça va bien encore le marché, là. OK, c'est dynamique. Tu as encore des offres multiples Oui. sur des produits évidemment qui sont bien inscrits. Parce que les offres multiples n'existent pas tout le temps. C'est tout le temps une question de bien inscrire. Cool. Le marché du travail à Sherbrooke, ça a l'air de quoi au niveau des opportunités professionnelles? Est-ce que c'est un secteur où il y a de l'emploi beaucoup? À quoi ça a l'air actuellement? Bien, il y en a beaucoup que de ce que je vois des gens qui viennent de l'extérieur, c'est parce qu'ils ont sont transférés à l'hôpital de Sherbrooke. On a aussi la chance d'avoir deux universités, donc tu sais, c'est beaucoup des étudiants. On est une ville étudiante beaucoup, là, donc c'est dans ces secteurs-là surtout que ça joue là, de notre côté, là. OK, super. Moi, comme tu sais, c'est drôle, je reviens d'un voyage au Costa Rica, puis on regarde tout le temps les meilleurs endroits, puis où aller manger, où aller se promener, où aller faire du sport. Fait que là, on va faire du name dropping, puis je vais te poser certaines questions pour savoir. Moi, si je m'en vais à Sherbrooke une journée avec ma famille, on déjeune où à Sherbrooke? Ben c'est sûr qu'on a les classiques, mais sinon, il y a le. Je suis pas tant fan, je recherche pas ça, mais les déjeuners végétaliens, il y a un restaurant qui s'appelle Le Sauge. C'est excellent, c'est full savoureux. Sinon, il y en a un que ça fait partie, genre, un peu, je sais pas combien de temps dans le portrait sherbrookois, le Delia. Ils font toute maison. C'est vraiment, je pense, les deux endroits, moi, si vous voulez me retrouver un dimanche matin, c'est entre ces deux endroits-là. Ah oui, hein? Fourchette de prix. Y en a-t-il un qui est plus abordable que l'autre? Une vingtaine de dollars, là, je dirais, là. OK. Cool. Après ça, on s'en va dîner où? Ça en va dîner où? Ma mère, elle a un restaurant. Ah oui, je voulais te demander c'était où. Allez, allons-y. La famille, on est une famille de restaurateurs. Là, on est rendu à trois restaurants dans la famille, donc un des trois restaurants vietnamiens de la famille, je dirais, là. Ah, vous avez trois restaurants vietnamiens. Ben, mon oncle en a un, mon autre oncle en a un. Fait que, ouais, OK. c'est sûr que je manquerai jamais de nourriture dans ma vie, là. Là, je te garantis, dans le temps des fêtes, je m'en vais manger du vietnamien à Sherbrooke. Parfait, on t'attend. On fera un souper avec l'équipe. Après ça, on veut aller jouer dehors à Sherbrooke en famille. On va où? On fait quoi? Ben, il y a tellement. Ben, tu sais, ce qui est le fun avec Sherbrooke, c'est que c'est full plein air, là, tu le sais, là. Ben oui. Donc, on a tellement de beaux parcs, de beaux lacs. Tu sais, des fois, moi, quand je m'en vais en visite, puis je vois comme le lac puis le mont en arrière, je contemple. Fait que c'est n'importe où à l'extérieur, là, on a tellement de beaux sentiers à Sherbrooke, c'est une belle ville. Ça me fascine d'avoir une ville qui est si près de la nature, quand même une ville assez importante et que c'est si abordable de vivre. Honnêtement, je trouve ça particulièrement fascinant. Tu sais, à quelques minutes des pentes de ski, de tout ce que tu veux. Fait que c'est vraiment assez spécial comme municipalité quand même. Maintenant, moi je suis un passionné des chiens. Mon chien il veut aller jouer, on l'amène où? Il y a des parcs à chiens là-bas? Ben oui, on a des parcs à chiens. Puis c'est sûr que tu sais, si tu veux l'amener jouer, ben oui, c'est le parc à chiens. Mais sinon, comme je te dis, on a plein de beaux sentiers. C'est sûr qu'il faut le garder en laisse, là. Mais on a vraiment beaucoup de beaux sentiers qui acceptent les chiens. Donc, je te ferai parvenir les adresses, là, mais. Absolument. Et on les mettra en lien parce que je trouve que c'est tout le temps le truc dans la vie. Tu sais, on se rend compte que quand on vend des propriétés, un des facteurs pour bien des clients, c'est j'ai un chien, j'ai un animal. T'sais. Soit c'est la cour, soit c'est dans le règlement de copropriété, est-ce qu'ils sont acceptés ou non. J'ai une anecdote par rapport à ça maintenant à raconter parce que je me suis déjà ramassé à vendre un condo où il avait voté qui ne voulait pas avoir les chiens dans la copropriété, puis ça limitait beaucoup d'acheteurs. Fait que sujet intéressant à aborder ultimement. Mais bref, maintenant on s'en va pour un verre dans un 5 à 7. On va où?
Moi, j'aime beaucoup le centre-ville de Sherbrooke. Donc, je te dirais le Haut Chevreuil, qui est comme une taverne américaine. Mais, tu sais, c'est leur service à la clientèle qui est incroyable. Raconte-moi l'histoire des céleris par rapport à ça. J'ai vu plein de posts. Puis Oui. honnêtement, je pense à toutes les fois que tu vas aller, je pense prépare un Moi, je suis céleri. fanatique des céleris, au grand détriment de mon équipe parce qu'il y a toujours du céleri dans le frigo. Puis, je suis pas tant fan de Bloody Caesar, mais j'avais le goût d'un céleri ce soir-là. Puis, je me dis, je vais me commander un Bloody. Puis là, il m'apporte mon Bloody, puis il n'y a pas de céleri. Là, je suis comme, mon Dieu, OK, vous faites des Bloody sans céleri. Puis, comme, c'est juste, on en met d'habitude, mais là, cette semaine, j'en ai pas. Là, à la blague, je dis, est-ce que tu peux me le créditer pour que la prochaine fois que je viens, j'aie mon céleri? Donc, la fois suivante, il m'a apporté un céleri. Puis la fois suivante, il a commencé à le pimper. Il y avait un tartare de canard sur mon céleri. Il y avait une autre fois que c'était une mousse au César. Fait que c'est comme rendu un concours à l'interne de qui fait le meilleur céleri à Leslie. Donc, à chaque fois que j'y vais, c'est inévitable. J'ai un céleri réinventé. Puis ben, tu sais, c'est ce qui fait que la service. Mais au-delà de ça, du céleri, j'ai quelques partenaires avec eux. Que le service, il m'en donne toujours plus. Mes grosses soirées, bénéfices, je les fais là Ah parce que oui, c'est hein? facile avec eux d'organiser. Je les adore. Donc, Charles et Maxime, là, des entrepreneurs que Au j'aime beaucoup. Chevreuil. Exact. Écoute, prochain 5 à 7 dans l'Estrie, on va voir ça, c'est sûr. Y a-t-il un lieu qu'on n'a pas parlé que vraiment, toi, c'est ton petit extra à chaque fois que tu dis ça, c'est une place que ce soit un café, peu importe, un endroit que tu aimes te réfugier, dire que quand je veux travailler en paix ou quand je veux relaxer, je vais là. Hey boy, c'est difficile ça. Ça dépend vraiment comment je me sens, je te dirais. Parce que je te dis des fois autant un bois, mais c'est très rare que je relaxe. Fait Oui, que hein? ou avec les enfants, mais ouais, c'est très très rare que je m'arrête. Comment tu gères ça, la vie de famille, puis l'immobilier? Comment tu jongles avec tout ça de façon, parce que je te vois avec tes enfants, tu vas aller chercher à l'école, tu vas à la gymnastique. Comment tu jongles avec tout ça? Moi, j'ai la chance d'avoir les meilleurs enfants du monde. Donc, pour moi, c'est facile parce que je les amène partout puis ils s'adaptent. Fait que j'ai pas besoin de jongler parce qu'ils me suivent, je les suis, puis on forme vraiment, réellement une bonne équipe. Je sais pas si le fait qu'on a passé beaucoup de temps ensemble à se souder, pendant qu'ils apprenaient à se connaître, j'apprenais moi-même à me connaître en tant que mère, ben aujourd'hui, on forme vraiment une équipe et je peux les apporter partout avec moi. Tu sais, c'est facile. J'ai la chance d'avoir des enfants que je les amène au bureau, je les amène partout, tout le temps. Fait que c'est, tu, c'est, mais, en tout cas, on va revenir à ça, mais c'est peut-être aussi ta raison d'être en immobilier en partie des enfants. Ça te permet de, on le dit tout le temps, et ça permet d'élever nos standards et de nous aider à avoir une raison de s'élever de notre temps. Fait que je trouve ça le fun d'avoir des enfants qui sont déjà imprégnés de cette culture-là. Ça fait penser à moi, parce que moi, j'ai grandi dans un milieu entrepreneurial où j'étais là au commerce avec mon père, puis on travaillait parce que ça faisait partie de la game. Fait que, ils vont apprendre de ça, puis ils vont grandir à travers ça, puis c'est beau à voir, tu sais. Pour en venir à ça, est-ce que tes enfants sont ta raison d'être, ta raison de te lever le matin pour travailler aussi fort? Ou... Ben c'est sûr que, tu sais, je pense que tout parent va te répondre ça, là. Tu sais, je pense pas qu'il y ait un parent qui va dire autre chose que ça. Donc, inévitablement, ça, mais je sais pas comment l'expliquer. Je sais que je peux gosser les gens avec mon amour pour mes enfants, mais c'est tellement, je suis tellement fière d'eux tout le temps, là. Tu sais, Ah oui. mon pour vrai, là, surveille-le parce que s'il devient courtier immobilier, t'es plus courtier numéro un au Canada. Tu perds ta place, là. Mon petits-fils, là, tu sais, des anecdotes comme ça, à un moment donné, il y a un gros festival à Sherbrooke, puis je leur paye la semaine de manège. Je dis, là, il n'y a aucune chance cette semaine que je vous paye pour jouer au toutou. OK? Je vous paye déjà assez, fait que gossez-moi pas là-dessus, je vous donnerai pas une scène. Mais il a réussi à convaincre des ados de jouer pour lui. Non. Fait que là, il y a eu un toutou. C'est un toutou abeille. Puis là, après ça, il fait juste parler avec un couple qui dit: Ah, j'ai gagné le toutou abeille. Vous avez eu la maman? Le couple, il a réussi à convaincre le couple de lui donner. Fait qu'il s'est ramassé comme avec deux gros toutous sans que moi j'aille à dépenser. Mais il dit: Maman, t'as pas dépensé, j'ai convaincu les gens de jouer pour moi. Hey, c'est-tu fort, hein?
Puis il avait 4 ans. Puis là, ça fait comme tout le temps, dès qu'il veut quelque chose, il l'obtient sans que j'aille. Fait que voilà, je suis vraiment, puis tu sais, Impressionnant. ouais, fait qu'un jour, il va prendre ta place. Il y a les gènes, il y a les gènes les gènes de l'immigrant qui travaille puis qui est prêt à trouver toutes les ressources possibles pour avoir du succès. Puis c'est cool d'avoir, tu sais. Il est aucunement gêné. Puis ça me fascine parce que il va aller loin, le petit cœur. Ça, c'est sûr. Wow. Événements qui ont changé ta vie, qui ont fait que, tu sais, événements qui ont changé ta vie puis qui étaient un vecteur de changement pour toi. On a parlé tantôt un peu de la séparation. Y a-t-il autre chose? Ça a été beaucoup, beaucoup la séparation parce que ça m'a forgée. Puis, ça a l'air niaiseux, mais des fois, puis j'en vis pas tant là, de gros événements forts, mais des fois, je me dis, si l'événement le plus gros de ma vie a été l'élément déclencheur qui me rend le plus heureuse aujourd'hui, je peux pas croire que la petite chose que je vis aujourd'hui va me détruire. Parce que la chose la plus dure m'a rendue tellement épanouie. Absolument. Que si j'ai une mauvaise journée, ça passe vite parce que c'est impossible. Je pensais comme quand j'ai dit que ça a été du jour au lendemain, là, ça a vraiment été du jour au lendemain. Là. La veille, on magasinait un voyage en amoureux. Puis le lendemain, on se chicane autour d'un meuble Ikea, puis c'est fini, tu sais. Fait que c'est ça. Je me dis que c'est impossible que je survive pas aux petits bobos de la journée, tu sais. Puis, avec du recul, OK, ça a été une grande peine et tout ça. Est-ce que c'est un événement pour ça, c'est devenu un événement très positif pour toi, cette séparation-là? Ah, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est drôle, hein? C'est sûrement pas comme ça que tu le voyais Je quand c'est pensais arrivé. que c'était la fin du monde. Je pensais que je venais de détruire mes enfants. Je pensais que, voyons, j'ai tellement les valeurs familiales fortes. Puis finalement, puis, c'est comme, on s'en est parlé à un moment donné, mais je pense que c'est une mission future que je veux faire, que la monoparentalité, c'est pas une maladie fatale. T'sais, moi, quand je dis que je suis monoparentale, là, tout le monde me regarde avec un. Oh, pauvre petite. Puis finalement, s'il savait. C'est drôle parce que moi, je le vois très positivement au niveau de une force de caractère. Mais il y a personne, il y a pas une fille de 12 ans qui a son vision board, mais un jour je vais être monoparentale, tu sais. Je pense pas que c'est comme un objectif de vie, donc les gens le voient comme un échec. Tu sais, fait que c'est souvent, je pense, un échec, là. C'est sûr, c'est assez intéressant de mettre ça sur son vision board, Ouais, hein, à 12 ans, de mettre ça, je vais être bon. Ah, mais qui sait, peut-être qu'on va voir des femmes, tu sais, s'épanouir à travers ça, puis que ça sera plus aussi un. Je vais rester dans une relation un peu toxique parce que je veux pas être monoparentale, tu sais. absolument. Trop, mais il y a peut-être trop de gens qui restent dans ça aussi de cette façon-là, Leslie. Ben, je crois, oui. Donc, qui sait, un jour, peut-être que. Il va y avoir certaines lettres de noblesse associées à la monoparentalité. Oui, absolument. Tu sais, j'ai vu dans ton parcours, tu as vécu un peu partout, tu t'es promené. Et si tu avais le choix de vivre ailleurs, est-ce que tu choisirais Sherbrooke quand même? Oui, parce que je suis une fille de famille. OK. Oui, parce que je Est-ce suis une que. OK. Et partout où tu as vécu, y a-t-il des endroits que tu as appréciés tout autant que Sherbrooke? Que tu dis ça, c'était une place où je peux avoir de la famille que je pourrais m'installer? Mais je te confirme que je n'irai pas habiter à vie à Fermont. Ça a été Ah, vraiment. t'es-tu resté là? Oui, je suis restée à Fermont. Non. Ouais. Le fameux mur, je l'ai vécu. Ah, oui, hein? Fait Combien de que temps? un an, parce OK. que je suis tombée en amour puis j'ai suivi mon copain à ce moment-là. Ah, Mais même ouais. personnellement, pour une femme, je pense que c'est comme 20 gars pour une fille. Fait qu'à un moment donné, je me sentais plus tant en sécurité non plus. Fait que Ah oui, personnellement, hein. trois femmes seules là-bas, je le recommanderais pas tant que ça parce que les gars sont tellement isolés là-bas que malheureusement, tout ce qu'ils font, c'est comme boire, consommer. Fait que t'es pas tant. Fait que non, j'irais pas vivre là. Mais j'ai travaillé aussi en banlieue de Toronto, la baie géorgienne. J'ai adoré. Ouais, Je pense que. très belle région, ça. Ouais. Sur mon vision board, j'aimerais ça avoir à un moment donné une résidence secondaire là. Passer mes étés là-bas parce que je trouve qu'il y a quelque chose de frais dans cette ère-là. Ouais, absolument. Cool. Donc, ça Et serait Leslie Tran, elle se voit où dans 5 ans? mon modèle d'affaires que je vise, là, il est sur mon vision board.
C'est avoir une plus grosse équipe, avoir plus d'adjointes, puis passer 40 heures semaine, ça va être cliché, quétaine, mais à faire du bénévolat. Ah oui, hein? Juste faire du bénévolat. Juste être avec les gens, me sentir vraiment utile. Puis je me dis que par la bande, ben ça va profiter à ma business parce que je vais attirer des transactions humaines. Ça n'a pas le choix, tu sais. Ce côté humain-là se transpose comment dans ta business? Un client qui travaille avec Leslie s'attend à quoi comme expérience? Beaucoup d'écoute. Mes conversations sont rarement en bas de 30 minutes avec mes clients, là. C'est peut-être mon follow-up, c'est mes clients actifs, là. C'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. J'ai aucun jugement. Tu sais, si tu vends parce que c'est ça ou la faillite, n'y a pas de problème. Je suis là, on va trouver une solution. Et, ouais. Fait que t'es là pour. Tu vois, parce qu'il y a tout le temps deux volets en immobilier, on le sait. Il y a tout le temps le fameux volet transactionnel où tu as un job à faire, tu as une maison à vendre, tu as une mission à compléter au niveau d'une transaction immobilière. Il y a un autre volet très relationnel aussi qui nous permet d'entrer en contact et de développer des relations à long terme avec notre clientèle. Puis, j'avais une conversation, une formation que je donnais où je me disais souvent, les gens qui vont courir ou qui n'ont pas nécessairement tout le temps un nouveau client ou des nouveaux clients qui sont en train de servir et qui courent tout le temps après le prochain, ce sont des gens qui ont toujours resté un petit peu trop en transactionnel, qui ont déjà l'affaire, qui le font bien, mais qui c'est très robotisé et ils ne prennent pas le temps de développer cette relation pour ultimement développer des ambassadeurs, des gens qui vont te référer. J'assure que dans ton cas, toi, c'est que ta business, est-ce qu'elle est beaucoup à. Elle s'appuie beaucoup sur de la référence. Est-ce que tes clients, c'est précisément ta business? Oui, c'est vraiment les références. Si je fais des cold calls, c'est pour donner l'exemple aux autres, à mes courtiers dans mon équipe, plus que moi j'en ai besoin. J'ai pas besoin de plus de business. C'est vraiment pour prôner par l'exemple, plus que. Puis que, tu sais, comme tu dis, j'ai quand même une. Je me sous-estime beaucoup dans les cold calls, mais je crois que si je m'y mettais vraiment, je pourrais exploser ma business, là. Assez intense parce que comme tu dis ben j'ai une bonne écoute, j'ai eu la chance, ben pas eu la chance mais j'ai un background en communication donc je peux m'exprimer. Je pourrais mais oui, c'est beaucoup 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 les ambassadeurs essentiellement. Je réponds à des commentaires tranquillement. Il y a la belle Chanel qui est à jour avec nous. Super. Écoute, fait dans le fond, tu te vois dans 5 ans avec une équipe plus grande, une équipe, je pense, qui sont là dans un esprit de contribution pour leur clientèle. Tu conseilles quoi à une jeune femme qui veut se lancer en immobilier, qui sort d'école bientôt, qui dit, moi, je me lance en immobilier. C'est quoi ton. Avec ces années-là, qu'est-ce que tu as appris? Ça serait le conseil que je donnerais à une nouvelle courtier. Ben, je crois que, ben, je sais pas, tu as plus d'expérience que moi, là. Tu as vu plusieurs courtiers. Je crois que se joindre une équipe pour commencer, ce serait une bonne chose. Se trouver un bon coach, moi, ça l'a. Je trouve que ça l'a changé complètement ma manière de travailler. Donc, ça serait vraiment. Et tu touches deux points, Leslie, hein? Tu touches deux points parce que tu nommes des choses qui vont trouver un bon coach, puis une équipe. C'est vraiment une équipe, ça te permet de tenir avec des gens qui ont les mêmes objectifs, qui veulent réussir comme toi, qui veulent t'élever vers le haut. Le coach te tient responsable aussi de ce que tu dois accomplir, mais il va aussi te donner les compétences, les skills, les habiletés pour pouvoir performer. Puis, je pense que tu viens juste de toucher le point. Si tu as ces deux affaires-là en immobilier, là, honnêtement, tes chances de succès viennent de se multiplier de façon importante. Puis je comprends que pour quelqu'un qui commence, investir dans un coach, ça peut faire peur. Tu sais, je le vois souvent, les nouveaux dans notre agence, je leur dis, as-tu un coach? Hey, non, j'ai pas ces moyens-là, mais. Et puis, tu sais, moi, je me souviens quand j'ai engagé mon premier coach. J'ai vite réalisé que c'est un investissement. C'est pas une dépense. C'est un investissement parce que tu vas prendre des années. Tu vas pas marcher, tu vas courir. T'sais, tu vas déjà jour un, tu vas te mettre à courir, tu vas te mettre à avoir beaucoup plus d'aisance dans. Hey, c'est une job. Tu le sais, Leslie, hein? On doit quand même être bon au niveau administratif, au niveau technologique, informatique. On doit être bon relationnel, on doit être bon en gestion de conflits.
Écoute, c'est tellement étendu, puis c'est ce qui est beau de notre job. On a tellement de choses qu'on peut exploiter, puis il y a tout le temps, même après des années, tu continues à t'améliorer, tu continues à travailler des choses. Fait que c'est cool, mais je pense qu'un coach, écoute, moi, ça fait 20 ans que je suis là, j'ai encore un coach de business. Parce que pour moi, c'est comme l'entraînement physique. Tu sais, à un moment donné, tu peux décider de ne pas avoir de coach, mais les résultats vont aller avec aussi. Puis je trouve que la croissance personnelle ou professionnelle, c'est souvent là comme un stop quand qu'on atteint, tu sais. J'écoutais un podcast dernièrement qui disait, c'est souvent là qu'on coupe quand, pourtant, tu sais, tu vas pas arrêter d'entretenir ton couple, là. C'est pas parce que ça va bien que tu dis, hey, demain matin, on va arrêter de faire des soupers d'amoureux parce que, fait que pourquoi dans la croissance personnelle, on coupe ça? Moi, tu sais, j'ai tellement évolué dans la dernière année, tu sais, grâce au coaching que je prône ça, là. Je pourrais pas vivre sans ça aujourd'hui, là. Puis je pense que tu. C'est quoi, il y a une chose dedans, hein, Leslie, puis le coaching, pour pouvoir bénéficier du coaching, il faut que tu sois coachable. Puis il y a des gens qui ne le sont pas, puis il y a des gens qui le sont. T'sais. Je pense que tu es un exemple, tu es une fille très coachable et c'est pour ça que ta business évolue rapidement. De pouvoir être coachable, d'avoir d'être capable d'avoir l'humilité de dire, je sais quoi, je ne connais pas tout, puis je peux apprendre énormément du coaching. De quelqu'un qui a marché la route avant moi, c'est exceptionnel. Question rafale. Ton livre préféré? À cause de certains David, je te dirais comment se faire des amis. Ouais, C'est ça, oui. un classique que je relis tout le temps. Si vous ne connaissez pas, le livre de Dale Carnegie, qui est un ouvrage vraiment, c'est fun, hein, parce qu'il n'est pas très long à lire, mais tellement puissant comme livre que je dois l'avoir pas loin, il doit traîner à quelque part, mais en tout cas, je l'ai pas loin. Si ta vie était une chanson, Hey ce serait boy, laquelle? je peux pas, je sais pas. Okay. T'as pas une chanson ou un artiste que tu apprécies particulièrement? Ben moi, je suis des années 90, hein? Donc je suis Hey. très Backstreet Boys. Ah oui, hein? Très intense Backstreet Boys. Je les ai vus 25 fois en spectacle. Je T'es suis pas vraiment. sérieuse? Ouais, si vous voulez me faire un cadeau, là, il y a un resort Backstreet Boys au printemps. Genre, je virerais folle. Je l'envoie dans l'univers parce que qui sait, peut-être que quelqu'un va m'entendre un jour. Mais ouais, fait que, mais il n'y a pas de chanson de eux qui me définit parce que. Mais si tu veux un groupe qui me définit parce que j'ai grandi avec eux, tu sais, comme à l'adolescence, là, les moments un peu où est-ce que tu te redéfinis, Absolument. c'est eux qui m'ont accompagné là-dedans. Donc, tu vois, grâce au courtage, quand même, ils m'ont permis d'aller les voir en loge au Centre Bell. Fait que j'avais lancé dans l'univers. Puis il y a un partenaire financier qui m'a entendu, puis qui m'a envoyé dans les loges les voir. Donc, Oh, très cool. c'est. Leslie, on peut te suivre où? Quelqu'un qui veut te contacter, qui veut en savoir plus sur vivre à Sherbrooke, puis sur l'immobilier à Sherbrooke, où il peut te contacter? Ben, je suis très présente sur surtout Facebook, sur Instagram. C'est sûr que vous pouvez trouver notre site internet savoir30.ca. Donc, c'est pas mal les plateformes pour nous rejoindre. Et éventuellement, je vais m'en venir tranquillement pas vite sur TikTok. C'est mon défi 2024, de faire plus de Super. vidéos, être assidu sur les vidéos. Absolument. Puis je pense que tu gagnes à être connue parce que tu es une fille qui t'exprime avec beaucoup d'aisance. Fait que ce serait cool qu'on te voit plus en vidéo. Je te l'ai souvent dit. Mais je le sais. Fait que je ne peux pas me faire Ouais. chicaner. Ouais. Leslie, c'était un privilège de passer ce moment-là avec toi. Tu t'es lancée malgré le stress qu'il y avait. On aurait voulu être sur Instagram Live, ça n'a pas fonctionné. Alors, on s'est contenté de YouTube et on va partager le lien. Les gens pourront voir la diffusion. Merci d'avoir été là. On va mettre tes coordonnées dans le lien d'émission. Les gens pourront te contacter par là. Merci d'avoir été là. Je te souhaite le meilleur de 2024. On va continuer évidemment à être proche, moi et toi, mais je suis certain que ça va être une année couronnée de succès. Merci à tout le monde qui a été là. Julie, Chanel, Nancy, alors il y a quelques personnes qui étaient là. Merci d'avoir été là, puis on se revoit sur le prochain épisode, mais à bientôt, Leslie. Merci David, bonne soirée. Bye! Bye.